Other camps were death camps, meant to kill en masse healthy people, millions of men, women, and children, by means of a deadly gas, Zyklon B, spread in gas chambers. In their crematorium furnaces, they could burn daily thousands of corpses. A French Auschwitz survivor is here to testify. A communist, she was deported for acts of resistance. Êtes-vous témoin direct oui. De la sélection à l'arrivée des convois? Oui, parce que quand nous avons travaillé au bloc de la couture en 1944, notre bloc, le bloc où nous habitions, était en face de l'arrivée du train. On avait perfectionné le système. Au lieu de faire la sélection à la halte d'arrivée, une voie de garage menait le train presque jusqu'à la chambre à gaz. Et l'arrêt, c'est-à-dire à 100 mètres de la chambre à gaz, était juste devant notre bloc, mais naturellement séparé par deux rangées de fils de fer barbelés. Nous voyons donc les wagons déplombés, les soldats sortir, les hommes, les femmes et les enfants des wagons, et on assistait aux scènes déchirantes, des vieux couples se séparant, des mères étant obligées d'abandonner leurs jeunes filles, puisqu'elles entraient dans le camp, tandis que les mères et les enfants étaient dirigés vers la chambre à gaz. Tous ces gens-là ignoraient le sort qui leur était réservé. Ils étaient seulement désemparés parce qu'on les séparait les uns des autres, mais ils ignoraient qu'ils allaient à la mort. Par les... You're going too fast. Sorry. Une nuit, nous avons été réveillés par des cris effroyables. Nous avons appris le lendemain matin par les hommes qui travaillaient au Sonderkommando, le commando des gaz, que la veille, n'ayant pas assez de gaz, ils avaient jeté les enfants vivants dans les fournaises